Bonjour à toutes et à tous et bonne chance à ceux qui ne s'endorment pas devant l'écran. On démarre tout de suite. Bien entendu, je voulais vous faire part d'une petite chose. Nous avons actuellement des besoins en plaisir qui sont maintenant, selon les temps actuels, très faibles, une tolérance de 13% par jour d'éveil. Donc ça diminue de 13% par jour. Donc je ne peux pas faire de jeu d'adresse pour l'instant. Le prochain que nous allons avoir, vous pouvez trouver des informations à ce niveau-ci, dans les statistiques, vous voyez, prospérité de la colonie, 23 390. Bien là, le prochain seuil de richesse, qui va me faire descendre donc de 24, je pense à 20 ou 16, je ne sais pas, et qui va augmenter le nombre de plaisirs différents que j'ai besoin, sera 31 000. Et le suivant sera 81 000. Après, on passe dans les 120 000, je pense, ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous dirai ça à ce moment-là. Vous avez également une possibilité de voir ça en graphique. Ça, c'est la valeur totale. Et le reste, ben, vous voyez, richesse objet, richesse construction, etc. Et vous avez également un petit bouton ici qui vous permet de voir l'évolution de la population. Bon, chez nous, elle n'a pas bougé beaucoup. Par contre, vous pouvez voir également la moyenne de l'humeur de vos personnages. Et donc, on voit qu'on est pas trop mal pour l'instant. Et ça devrait tourner à rester à peu près aux environs de 70-75%. C'est en tout cas ce que je vais essayer d'avoir. Voilà, on continue. Alors, notre le chauve, libellule a fini de travailler là. On va lui demander de continuer. Par contre, maintenant que j'ai deux chambres, je vais faire un trou ici. On va creuser ici pour que je puisse commencer à faire soit ici, soit ici. Disons qu'on va faire ceci ici et on va démarrer ici dedans. Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? C'est pour pouvoir installer notre balise de, comment vais-je dire, de commerce, hein. On a quand même fait le commerce, donc autant le faire. On va également creuser ici, pour démarrer de plusieurs endroits différents. Alors, il faut bien que je surveille de laisser ici une case. Donc, on a normalement 15 sur 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, on va avoir la lampe. Et donc, on va se laisser cette case-ci qu'on ne va pas creuser. Bien entendu, si je ne dis pas de creuser, oui, ça c'est ok, c'est dit creuser. On va agrandir comme ceci. On va faire deux par deux, vous voyez. Comme ça, je peux mettre une lampe et ils peuvent travailler à deux s'il y a besoin. Donc je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il faut que je me retienne comment ça marche. L, on va faire L. Donc je sais que c'est ici à côté, je ne peux pas avoir. Là, je dois laisser un trou pour. On a besoin d'un projet de recherche. Ben, le chauffe, de toute façon, tu as encore un petit peu de travail ici. Donc, on va laisser avoir un petit peu comme ça. Donc, je veux de la lumière. Nous allons donc transporter ceci. Réinstaller ici, ça sera parfait. Et ceci que nous allons réinstaller ici. On va supprimer architecte, annuler ceci. Voilà. Ça. Elle sera obligée de venir par ici. Et donc, comme je l'ai dit, tout le reste ici va pouvoir être. Ici, voilà. Oui,
Oui, tout ça me semble parfait. On va augmenter la vitesse. Voilà, Jean a pu terminer ça. On va maintenant laisser Jean faire une nouvelle recherche. Je me demande si on ne ferait pas la bière pour éliminer nos trucs qui nous restent. Par contre, non, je vais plutôt faire une harpe. On va faire une harpe ou un clavecin. Une harpe, qu'est-ce qu'elle me demande? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va pouvoir. Il faudra voir s'il ne faut pas du bois, c'est ça le problème. Pourquoi je dis une harpe? Parce que j'ai besoin de nouveaux matériels pour le plaisir. Et voilà. Et comme j'ai pas de tissu, ou en tout cas je n'en aurai pas suffisamment pour faire une table de billard, etc. pour l'instant. D'ailleurs, je pense que nous allons modifier un petit peu notre tout ceci. Donc, prochaine. T'as combien de pourcents? T'as 29 déjà, donc on va pas bouger à ça. Je vais proposer qu'on refasse ici toute cette partie ici. Une zone de agricole avec 1, 2, 3, 4. 4, c'est l'espace entre lesquels vous pouvez. Vous n'aurez pas de maladie. Voilà. Donc j'ai besoin de plus de tissu. Et nous voulons ici, bien entendu, du tissu qui est plein de coton. Merci, mon ami. Voilà. Laissez faire comme ça. Genre, c'est reparti ici. Il faudrait que je nettoie aussi un petit peu par après. Alors, il faudra faire attention parce qu'en enlevant la lumière, je risque d'avoir quelques petits pépins d'araignées, bien entendu. D'insectes, en tout cas, pardon, pas d'araignées. Donc, on va quand même créer de l'énergie parce qu'il va me falloir de toute façon tout le temps avoir de l'énergie ici. On va la faire passer. Coup de chaleur, combien il fait dehors? 45. Ça devrait terminer vite fait. Mordre en madère, oui. Alors, mordre en madère, on va. Dromadaire morte. Jean, fais-moi. Transport, le dromadaire mort. Voilà. Et on va se mettre de la lumière. De toute façon, il m'en faudra par ici. Ah, je peux pas ici. Donc, ok. Par contre, par ici, normalement, je peux. Voilà. Alors, par ici, est-ce que je peux passer un câble? Oui. Bien meilleur que je ne pensais. Je pensais avoir tout le temps du 60 degrés, comme le 5 avril, mai, et il fait une très bonne temps. Il fait même meilleur que beaucoup de temps qu'on a eu dans notre période. Hivernale, pendant l'été. Donc je dis ça, si 75 c'est bon. Se mettre une petite lampe, construire une copie, on va la mettre pour l'instant ici. Okay.
Alors, on a été planté. Alors, des nouveaux amoureux. Yes, le chauve, t'es le meilleur. Alors, le chauve, t'es amoureux avec qui? Là, excusez-moi, mais je coupe un petit peu parce que j'aime pas quand sinon on risque d'avoir des zits et des tas de trucs. Alors, première chose, elle voudrait qu'on prenne soin de son animal favori, le singe Nelson, pendant 17 jours. Je vais recevoir un Marc Long chef-d'œuvre. Ça, c'est pas dégueu du tout. C'est bien meilleur que, je pense, le fusil que nous avons actuellement. Si on regarde ici, nous avons 65, 85, 75, 50 pour un Marc Long normal. Mais comme c'est un chef-d'œuvre, ça va beaucoup booster. Il fait 17 de dégâts et il a 1,5 d'arrêt. Donc il stun. Par contre, le fusil de notre copine qui est ici, lui, il fait quoi? Il fait actuellement, ben, il est déjà moins bon dans tout ceci. Il fait que 0,5 et il fait moins de dégâts. Donc un singe pourrait me convenir parfaitement. 17 jours, un singe, c'est pas, ça bouffe pas énorme. Ça bouffe pas énorme. Ok. Ok. Par contre, le singe, oui, il doit quand même pouvoir tenir pas mal de température. Ouais. Et je pense qu'on peut peut-être même booster un petit peu. On va l'accepter. On va, celle-ci, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Un Marc Long chef-d'œuvre, oui. Surtout que j'ai pas de bois, donc je ne peux pas en faire moi-même. On accepte. Alors, Nelson est arrivé, il va arriver tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Les morts de dromadaire, je supprime. On va devoir faire à bouffer pour ces petites bestioles. Voilà, alors. Comment te sens-tu, mon petit? Qu'est-ce que tu manges d'abord? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges légumes, viande, crue, cadavre, graines, plantes, repas, etc. Tu as besoin de. D'abord, est-ce que tu es sale? Tu n'es pas très sale. Tu es avancé, donc je pourrais, si je souhaitais, te dresser pour aller me chercher des trucs. Il te faut presque pas de bouffe. 0,4. Ouais. On va te donner des patates. On va te donner des patates. On va te donner des patates. 0,4. Mais je pense que je dois pouvoir te mettre un plat à 0,9. Ton estomac, on va voir comment il est. Nourriture. Nourriture. Santé, nourriture ici. Alors, on voit que nourriture, il est à 100%, 89%. Donc, malheureusement, lui donner des plats. 0,9, ça serait pas terrible. On va te donner des. Tu vas aller bouffer des trucs là-bas. D'ailleurs, je vais te positionner où, Nelson? Où est-ce qu'on va te mettre, mon ami? Bon, on peut lancer ça. Nelson, tu vas avoir une nouvelle assignation. Architecte, une nouvelle zone. Gérer les zones. Nouvelle zone. Animaux. On va dire omnivore. Bien que les humains sont également omnivores. On va te. Et alors, j'ai pas regardé, t'as quoi comme 50 degrés maximum. Donc, ça va. Ok. Bon, par contre, on va te donner une place aussi ici. Donc, on va agrandir ta zone. Donc, on va créer une zone supplémentaire. Qui va être safe animaux. On va te mettre voilà et on va positionner safe animaux ici dedans. Ok. Comme ça, si jamais il y a une attaque, ben, je te protégerai. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau là? C'est quoi ça? Ah! Eh ben, on va y aller. Ensuite, ça c'est fait. Hein? Ouais. Donc, notre copine, elle est où?
Votre copine est partie semer. Oui, tu as besoin d'abord de semer. Je peux faire. On continue. Sème. Et la musique, je n'entends plus. Ah, voilà, du tissu. Ça, c'est très, très bien. Toi, tu n'as pas encore faim, non. Donc, je pense qu'ils commencent à manger quand ils sont à 30% ou à 25%, je ne sais plus exactement. Alors, on a une harpe. Ok, écran de recherche. On va faire maintenant... toi, tu as besoin de quoi pour ça? Une armure... Tu as besoin d'armure de plate. D'accord. On va faire l'armure de plate. Alors, mon ami, toi, 37. Il n'y a plus rien à ce souci, hein. Bon, là, il a un petit peu faim. Enfin, non, il va bientôt avoir faim, plutôt. On peut le laisser un peu crever de faim aussi, on n'est pas, obligé non plus. Tu vas où, Leslie? Tu te balades. Alors, on va essayer de se créer. On va regarder l'harpe, si on peut la créer. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'un truc de production établi de tissage manuel électrique, établi de forgeron, établi d'assemblage. Bah, c'est cher. Alors, on a un lieu d'assemblage qu'on peut positionner ici. Et dans ce lieu d'assemblage, on va pouvoir fabriquer une harpe. Et une harpe, il me faut 150 bois. Donc, je ne peux pas faire d'harpe. De harpe. Ni d'harpe. Alors, je voudrais... Je peux pas faire ça non plus. Donc, tu me sers pour l'instant à strictement rien. Nelson est arrivé, on s'en fout. Nelson, tu dors là-bas, mais c'est bien. Tu vas avoir faim. On va te donner... Bon, on va comme ça, on va savoir combien il bouffe. Je vais te mettre un niveau dans save un niveau et on va voir ce que tu me bouffes, mon ami. Alors, 14%, tu manges du riz. Mais on préfère que tu manges des patates, ça aurait été plus intelligent. Bon, il se prend du 100%. Donc, c'est pas intéressant de lui faire des plats à lui. On va plutôt mettre les patates ici. On va plutôt dire comme ça, je sais quoi. Bah non, pour le moment, on va laisser tout ça puisque je suis occupé de faire une nouvelle salle ici. Donc, on ne touche pas à ça. Réinstaller. Ah, on va réinstaller ici. Voilà. Alors, ben Nelson, tu vas être emballé de l'autre côté. Est-ce que c'était un niveau? Voilà. On va dormir là-bas, mon petit. Ensuite. Alors, toi, est-ce que tu pourrais être branché? Bien connecté, donc j'ai un petit problème de d'énergie quelque part là, effectivement. Donc on va te mettre un câble électrique ici. Ça, on va passer en dessous et on va dire pas de construction. Ça et bon,
Donc ceci, je n'ai plus besoin de toi, si je ne me trompe pas. Donc on va regarder si je peux te reconnecter. Voilà, c'est fait. Qu'est disponible. Bénédiction royale. Mais là, pour le moment, on ne peut rien faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, c'est pour s'échapper de la planète. Donc, n'arrivons pas. Grizzly, t'étais parti me faire quoi, toi? Transport de l'acier. Tiens, derrière, encore de l'acier qui traînait. Alors, où est-ce qu'on a encore de l'acier? On n'en voit plus, hein? Il n'y en a plus du tout ici. Est-ce qu'on a ramené l'iguane? Normalement, je suppose que l'iguane doit se trouver quelque part. Numbers, coloniste animal corpse. On a un nouvel iguane qui est maintenant là-bas. Donc, l'iguane mort doit être immédiatement posée par ici. Ok. Ok, je n'ai plus de place. Donc, je crée architecte production, un lieu de dépeçage. On va te mettre ici. On va dire que nous souhaitons ajouter une tâche. Par contre, là, il faut que je stoppe hein, le bidule là, parce que sinon, il va me faire une grosse bêtise. Tu vas me dépecer. Une créature. Je veux que ce soit Grizzly, bien entendu. Je veux que tu me fasses un animal, une carcasse d'animal. Je veux que ce soit... Voilà, cadavre écureuil. Ah, c'est à cause qu'il y a un D apostrophe. D'accord. Comme ça, on le sait. Voilà, cadavre d'iguane. Tu peux m'en faire autant que tu veux. On y va. Donc logiquement, Grizzly, je pense que il va aller faire ça. Ok. Fais-moi d'abord ça, mon ami. Enfin, on va virer les écureuils aussi. Alors, 10 écureuils. Voilà. Comme ça. Ça, ça me fera de la place pour mettre la viande. Mais ça, tu te sens comment, mon petit? Je t'ai pas encore fait avancer pour que je continue de m'embêter. Carrying, vente d'écureuil. Ok, et tu carrying ici. Alors, un colon a besoin de soins, c'est sans doute monsieur le chauve. Oui, donc on va te transformer ton lit. Et on va envoyer notre petite bagnole qui a déjà compris tout ce qu'elle devait faire. Hop! Et pour le moment, on te remet comme chauve. Après, on mettra tout ça ici dedans, mais quand ce sera nettoyé. Donc, on a un petit peu plus de ceci. Donc, si je regarde, on a 36, 24, il y a un moment, toujours un, mais c'est parce qu'à mon avis, il a 24, il n'a pas encore été. Toi, après, tu me transportes ça. Bon, parfait. Est-ce que je suis en base? Oui, je suis en base. Donc, on a fini la rure de plate. Donc, on peut maintenant... Le clavecin, je ne sais pas s'il faut du bois. On va l'essayer aussi. Malheureusement, je n'en suis pas certain. Mais j'ai besoin de ça. Alors, pas encore. On se dépêche, s'il vous plaît.
pour se dépêcher, on va faire comme ceci. Oh, de toute façon, assez. Moi, j'ai besoin que tu fasses celui-là. Surtout celui-là. En somme, on va essayer de mourir de faim un petit peu. Tu pars. Passe après à mon petit. Bon, Grizzly, ta cuisine est à 8,37. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, efficacité de boucherie 95%. Et. Efficacité de boucherie 95%. Donc on va toujours perdre 5% pour le moment. À moins que je fasse quelques plats, bien entendu. On va créer déjà ici. Alors, j'ai dit ici, il faut que je laisse un mur. Architecte. On va créer une zone de stockage dans laquelle nous allons mettre tout ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On va mettre. On va essayer avec le mot. Hein, mais on va dire que nous voulons les vêtements. Où sont les vêtements? Ici. Pardon. Donc, je efface tout, bien entendu. Vêtements. On va mettre les constructions. Alors, comment terminer fabriquer un chapeau de colon? Ok, j'ai un colon inactif. Stop. Excusez-moi un petit instant. On va. Parce que je ne veux pas laisser notre ami comme ça, sans rien faire. Et donc, elle va, bien entendu, faire tout ceci. Parti. Ouais. Donc l'ampoule doit venir ici. Donc nous créons, ça devait être dans divers, une balise de commerce orbitale qui vient ici. Ensuite, on va déplacer ceci bah, à côté, pourquoi pas. Voilà. Bien, une fois que cette balise va être terminée, on va mettre. Non, ici je ne veux plus de vêtements. Je ne veux plus de vêtements. Le chauve. J'ai dit que j'avais un chapeau normalement qui venait d'être construit, j'ai entendu. Et où est-il là, mon chapeau? Oh ben, il est sans doute ici. Et c'est un chapeau qui est bon. Donc on va... toi, tu as quoi comme chapeau, mon ami? Tu as un chapeau qui te donne, pour le moment, 12. Ensuite, le chapeau qui est ici, qui est bon, donne 9,9. Libellule, ton chapeau, donne... 0, cette course, c'est ça. Le chapeau que tu as donne 5,4. Donc, à Libellule, je veux que tu viennes prendre ce chapeau-ci. Ensuite, le chauve, tu prendras l'autre chapeau. Il est plus que temps qu'on nettoie un petit peu ici, Grizzly. Ensuite, tu vas nettoyer. Nettoyer. Alors, nous avons une balise. Il me faut maintenant, tu m'as soigné à 40%, il me faut maintenant une console de communication. Alors, ça consomme combien ça? 120 acier et 4 composants. On va devoir aller en ruminer un petit peu à mon avis. Alors, où est-ce que tu pourrais être mis je pense que... Où est-ce qu'on va te positionner?
très bien dans ce coin-ci. Donc là, non, parce qu'il n'y aurait pas de passage. Donc, viens ici, voilà, parfait. Pas besoin de chaise, bien entendu. On n'y reste pas suffisamment. Je pense que pour le moment, j'ai assez avec ceci. Donc, je vais plutôt envoyer la petite Ninée ici. Ninée ceci, bien que... Non, annuler pour vraiment ceci, et on va également annuler tout ça, ça ne me sert pas à grand chose pour l'instant, puisque nous n'avons pas suffisamment, donc je préférerais que libellule nettoie, aplanisse la surface que nous avons ici. Sauf ceci, il n'y a pas besoin que tu le fasses. Ok, on a fini le clavecin. Alors, on va continuer avec des vêtements par balle. Bien qu'il faut pas mal de tissu pour cela. Mais pour le moment, je vais en prendre. Il n'y a que Grizzly qui va en avoir besoin. Pour l'instant. Ok, donc, elle a changé de chapeau. Donc, monsieur le chauve, votre prochain là, même s'il est médiocre, tant pis, ça avance. Alors, je pourrais maintenant, qu'est-ce que nous avons comme tissu? Nous avons 34 de cuir de lézard, 12 de cuir lézard. Celui-là, à mon avis, on ne pourra jamais rien faire avec, à moins qu'on ait de nouveau des écureuils, mais c'est pas trop... va se passer. Par contre, on aura de la fourrure. J'ai vu ici que je pouvais également faire, je pense que nous avons encore une petite place, une petite zone qu'on pourra mettre, je pense, ici, si je ne me trompe. Ah non, c'est parce que ça passerait là. Donc, c'est pas très trop grave, hein, si on met des trucs ici. C'est dans le cas où Non, il n'y a pas besoin. Alors, t'es mort ou pas encore mort, toi, mon ami? T'es pas encore mort. Est-ce qu'on a encore de la viande? Nous avons de la viande d'écureuil que nous allons donner plutôt à ce moment-là. Ah, laissez crever un petit peu de faim. Ça, c'est Slan qui m'a montré le truc. Vous pouvez le laisser crever de faim pendant un bon bout de temps. On ne va pas aller jusqu'à la mort, hein. Mais c'est rentable. C'est rentable de laisser mourir de faim. C'est rentable de laisser mourir de faim. Maintenant, on a un peu de viande ici. Viande d'iguane. Ce qui est un peu con, c'est qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Hein, oui. Tant pis, c'est pas très grave. Donc, ceci est ouvert, il faut maintenant que je fasse attention à ce que j'ai suffisamment de ceci. Combien nous reste-t-il d'acier? 370, c'est parfait. Et nous avons également encore 13 composants. Ça, tu me demandes quoi? Tu me demandes 300, tout le l'acier que j'ai, et 8 composants, et donc la majorité de mes composants. Toi, par contre, tu ne demanderais que quoi? 3 composants et 100 acier, pour un tiers de ça. Je pense qu'on va continuer à creuser un petit peu pour Grizzly. Ordre miné. C'est fait, toujours. Ok. Ordre pour Grizzly. Qu'est-ce que tu me fais, Grizzly, normalement? On va... Il n'y a plus grand-chose. On va laisser finir ceci. On va mettre dans le travail à Grizzly. On va ouvrir ceci. Et on va lui dire qu'il va me faire de... du minage avant de me faire des trucs à planir. Ok, ça c'est déjà bon. Là t'es en 2 en transporteur, on va te passer en 2 en miné. Voilà.
Et on va d'ailleurs architecte annuler ces trucs là. Voilà une capsule de cargo. Parfait. Donc logiquement il va éliminer. Alors le cargo, qu'est-ce que tu nous as donné, mon ami? Des feuilles de... Tu veux vraiment droguer mes personnages au maximum. Non réfrigéré pendant 30 jours. Ok, donc tout ceci, je peux lui dire de venir ici dedans, puisque j'ai 30 jours pour le vendre. Donc on va Nesmocliff, c'est du manufacturé et des restes de drogue. Non, c'est déjà les joints. Donc c'est pas d'aliments. Hein. Végétaux, Smocliff, non. Alors, joint de Smocliff, ressources brutes, matière végétale, feuilles de Smocliff. Voilà, parfait. Grizzly va pouvoir aller me chercher tout ça, une fois qu'il aura terminé cette vidéo-là. Alors, est-ce que je peux maintenant faire un instrument de musique. Comme un... Alors ça c'était une harpe, donc je peux pas. Laissons-moi réfléchir. Si nous regardons dans la recherche, nous regardons le clavecin. Il vous faut pour faire un clavecin, établi de forgeron à combustible, établi de forgeron électrique. Alors, on va faire un établi de forgeron électrique. Architecte, établi de forgeron électrique sans acier, trois composants. Que nous allons positionner ici. Il sera parfait. Ouais. Et nous allons lui mettre également une chaise. Ici. Ensuite, quand on aura terminé tout ceci, toi t'es encore sale, on va également mettre une porte pour le moment. Et il va falloir bientôt me commencer à faire bientôt. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai plus assez de jus. Là, je consomme 1400. Et attention. Là, j'ai pas vraiment besoin de lumière. Ah si, j'ai besoin de lumière. Si jamais il y a des petits pépins qui me viennent sur le nez. Toi, t'es occupé là-bas. Ouais, je vais... Combien il me reste? 298, mais il y en a encore ici qui arrivent. On va lancer ceci pour l'instant. On va l'autoriser, on va autoriser tout ceci, non pas comme ça, comme ceci alors, on va l'autoriser par ici, autoriser, pas toi, on lance ça. Ah, un iguane. Ah, tu t'es sauvé, toi. Chassé. Ah, ok. Alors, on va pouvoir remettre un iguane ici. Tâche. Voilà. On va les mettre automatique ici pour le petit truc. On n'a plus de place, peut-être. Alors, toi, comment t'es, mon ami? T'as zéro. C'est bien comme ça. Malnutrition mineure, on va te laisser faire. Ok, on a assez de jus. C'est bien, on n'est plus
qu'à 93%, elle a reçu un petit coup dans le nez. Ça aussi, ça me fait un composant. Ok, alors maintenant, j'ai besoin d'ajouter une tâche. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Alors, le clavecin, on va... Excusez-moi, je stoppe le clavecin, comme ça, je regarde. 250 bois, je n'ai pas 250 de bois. Bon, malheureusement, on s'est fait avoir. Le piano, il y aura certainement du bois également. Donc, nous n'avons pas trop le choix. Loisir, je vais devoir faire une table 75 de bois, 110, non, on n'est pas obligé de faire un bois ici, 50 de tissu. Alors, la table de poker, c'est de la réflexion, et ça, c'est de l'adresse. Réflexion et adresse. J'aurais plus besoin, ce serait d'avoir un télescope. D'avoir un télescope. On va essayer d'avoir un télescope. Ici, j'ai mis ça à cause de... Ouais. Ok. Donc là, t'es occupé. T'as ta console de communication. Est-ce que tu t'es fait une belle chaise? T'as une bonne chaise ici. Donc, pour le moment, je vais couper ceci. Je n'en ai pas vraiment le besoin. Ça, c'est du truc normal. Ici, donc j'ai... 165 tissus, ce qui devrait me permettre de pouvoir faire la première vêtement par balle. Je devrais pouvoir faire au moins qu'est-ce qui fait de plus, est-ce que c'est ça? Alors ça, tu as contre 40% contre la perforation. Le pantalon, c'est 40% aussi, mais donc on a le gilet pare-balles 100% du gilet pare-balles. Donc il va falloir faire un gilet pare-balles au début. Gilet pare-balles, ok. Alors, un gilet pare-balles, est-ce que je peux faire ça ici? Donc ça, on supprime, ajouter une tâche. Est-ce que je peux faire un gilet pare-balles? Non, il va me falloir absolument faire un gilet pare-balles à partir de... la masse médiévale. Alors, la masse en métal, ça, c'est un peu... problème. Alors en acier, ça fait du 7,02. En uranium, c'est beaucoup mieux. Ça, on le sait d'office. On va se faire une masse en uranium après. Alors, coup de chaleur, c'est pour libellule, c'est pas grave. Alors, il fait combien maintenant? 55, alors vérifions ici, moins 4, moins 5, tout est parfait. Toi, t'es pas encore mort, mon ami. Malnutrition, et tu as une forte transpiration aussi, ce qui est pas hyper bien. Compensation de la vitesse de la faim, plus 60%. Donc, il vaut mieux que tu sois à l'intérieur. On va te mettre architecte zone, on va changer la zone, safe animal, on va enlever safe animal, tout ça, et on va te mettre pour le moment uniquement, donc j'enlève tout ça et je te mets sur les patates. Et là, il fait combien? Il fait 43. Là, tu tiens le coup. Voilà, tiens. Je te mets sur les patates ici. T'as qu'à aller aux patates. Et on dit, c'est pas animaux. Voilà. Comme ça, il va aller bouffer des patates.
Les patates poussent quand même un petit peu. À 60%. Oui, donc finalement, j'avais vraiment très peur avec. Mais bon, on voit qu'on. Avril, mai, il fait pas encore si chaud que ça. Le désert extrême n'est pas si extrême que cela. Toi, mon ami, tu vas nettoyer, hein, parce qu'ici, il fait dégueu. Ok. Voilà, c'est vraiment infâme ici. Hein. Et puis, tu vas nettoyer ici aussi, hein, non? Et puis, ici aussi, pourquoi pas? Là, c'est moins important. 22, 23 degrés, toujours une bonne température là, donc on est vraiment pépère. Là, il fait 24, là, il fait 28 degrés. Ça, on garde ouvert. Ici, 26, 26, 26, mais ça, c'est parce que c'est ouvert. Alors, on a fait les pas mal. Écran de recherche. Je vais avoir besoin. Je pense qu'une ceinture à fumigène ne serait pas dégueulasse. D'un autre côté, nous avons la petite armurerie. Nous avons le pemmican. Je vais quand même faire du pemmican. Comment ça donne le pemmican? Pour faire du pemmican 005, donc on le transforme tout simplement, je suppose. Ah, il faut aussi de la matière végétale. On va regarder à ça. On va le faire, c'est pas une recherche bien longue. Ok, on est toujours parfait ici. Ah, pop, pop, pop. Look at me. On a cette petite saloperie là. Là par contre, ça va me donner un peu de viande. Est-ce que j'ai de la place? Oui, on va directement là. Celle-ci, on va la faire direct. Donc je veux dépecer une couverture trois fois les cadavres d'insectes. Ok, libellule. Tu vas me. Où est-ce qu'ils sont ces trucs-là? Ils sont déjà occupés de partir. Ouais, la vite. Fonce, ma biche. Oh, il y en a plus que ça. Tiens, tiens, pourquoi est-ce que tu vas par là, mec? Alors, les spélopés, ils vont pas très vite. Si je ne me trompe pas, je devrais pouvoir. Le spélopède tourne à du 3,65. Il fait 55 degrés, elle va pas être à son aise, la petite. Ok, tu vas me tirer là-dessus. Vengeance de Spilopet. Ok, parfait. Ok. Viens ici, ma biche. Alors, ça, tu vas où, toi? Ça, tu viens Grizzly, comment t'es pas encore mort toi? Et là tu vas pas me bouffer mes trucs toi. Je vais faire ça comme ça. Toi ma belle, tu vas aller un petit peu plus loin encore. Pour prendre un peu plus d'avance. Et tu tires. Là, normalement, tu tires. Encore. Ok, on se tire. Elle va avoir un problème. Elle n'a pas encore de problème de santé. Ouais. Parce qu'elle tire plus loin. Si elle tire plus loin, elle va mieux toucher. Alors, par contre, Grizzly. Morsure d'iguane. Ah. Bah, tu vas te soigner toi-même, mon gars.
self, et je veux pas que voilà, et déjà ici, parce que c'est propre. Alors excusez-moi, là, cette fois-ci, je dois quand même faire attention à ce que je fais. J'ai pas envie de me faire avoir avec pour plaisir. Et les autres bestioles, elles vont où comme ça? Elles se déplacent tout simplement. Attention, parce que je n'ai pas de porte, moi, ici. Je sais pas, là. Attention à tout ça. Hein. Allez, tire dessus. Hein. Bute-le, hein, maintenant. Ça a du mal à crever, hein, cette histoire-là. Hein. Regardez-moi ça. Bon, 10 heures. Libellule. Là, par ici. Ok, stop. Attaque un autre. Soigne. Voilà. Bien entendu, maintenant c'est plus propre, je suppose, ici, puisque tu viens de foutre du sang partout. C'est pas grave. Libellule. Finis-le, parce que je sais que cette petite saloperie-là, elle se réveille. Et vous foutez le camp, vous autres, c'est ça? Ok, là, tu es à 8 heures. Hein. Allez. Tant pis, on n'aura pas le bidule même, on s'en fout. Ok, stop. Toi, on va te chasser. Toi, on va te remettre comme ceci et tu vas me le chasser. Tant pis. Voilà. Tu ne prends pas avec toi, bien entendu. C'est pas grave. Spélopède, on va prendre un grizzly aller après. Il n'y a plus de place, c'est pour cela. J'ai encore un peu, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place sans doute. Est-ce que Grizzly, mon ami, comment sens-tu? Est-ce que tu peux aller chercher cette bestiole-là? Non, il n'y a plus de place. C'est bien ce que j'avais peur. Là, on n'a plus. Donc, Grizzly, tu vas me faire ça après. Comme ça, il va pouvoir aller chercher les bestioles tout seul, comme un grand. Je n'ai plus de jus, attention. Mais j'en ai bientôt. Et là, un. C'est parti me chercher ces trucs-là, c'est bien. Bah, tout se passe pas mal, hein, de nouveau. Ok. Revendre cette fois-ci, nous faisons 2154, 3600, et donc on a 2100, 2002 à peu près de surplus. Voilà notre petite viande. Ensuite, Grizzly, par contre, je n'ai plus du tout de soucis, donc il me refaut du minage. Ça, c'est pour notre ami Grizzly. Tu admires les étoiles, c'est une excellente idée, mon ami. Alors,
ça, c'est de la viande d'insecte. On va la mettre ici. L'architecte, une zone que je vais positionner ici, que je vais imperméer de tout effacer, et je veux de la viande. Aliment cru, viande crue, je veux de la viande OGM ici. Et je la veux, Et je veux cette viande en critique. Voilà. Et donc ça va être grisly, ou Jean peut-être qui va me porter tout ça. Voilà. Et maintenant Nelson, on va le positionner dans une zone safe animaux. On va la mettre là. Et on va interdire safe animaux ici. Comme ça, tu vas aller te repromener, bouffer cette salle emplie de viande là, si on peut dire. Eh bien, tout ça, est-ce que tu me donnes du jus ici? Oui, normalement, hein, puisque j'ai mon contacteur qui est ouvert ici. Ça, c'est fait. Ma libellule est occupée de construire ce deuxième petit bidule. Là, combien est-ce que j'ai ici? J'ai une chambre qui est déjà maintenant légèrement impressionnante. Ça veut dire que si elle est bien propre, elle devrait être suffisamment bonne, légèrement impressionnante, devrait me donner plus que très impressionnante dans un dortoir. Ce que nous allons donc faire ici, c'est mettre le lit bon. On va le redéplacer. Donc toi, tu viens réinstaller. On va la mettre ici, à l'autre bout. Pélican, ok. Ensuite, je veux avoir... On a bien avancé là. Toi, tu n'as plus besoin que du poste multitech, mais je n'ai pas pour le moment la possibilité de faire ça. Je voudrais du matériau stérile. Voilà. Alors, ici, ça ne devait pas être une porte, normalement. Ça ne devait pas être une porte. La porte, elle ne doit pas être ici. Ici, c'est une ventilation, normalement. Mais bon, on va laisser la porte puisqu'elle est faite là. Chauffe, t'as plus rien à faire si je te dis de faire un truc. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un raid.